Bonjour, je m'appelle Chantal Lucas, voilà, j'habite Villeneuve-Saint-Georges depuis de nombreuses années. J'ai abordé la peinture d'une façon un peu particulière. Je travaillais à l'hôpital de Villeneuve-Saint-Georges et j'ai commencé par décorer les vitres entre chaque chambre d'enfant. Les chambres étaient isolées et j'ai commencé à faire un petit peu les décors de chaque chambre. Et puis lors de mon départ en retraite, mes collègues m'ont offert un chevalet, mes enfants m'ont offert une boîte de peinture. Et j'ai commencé à peindre un petit peu, à bricoler. Et puis petit à petit, je me suis prise au jeu. C'est une évasion, parce que dans mon HLM, la vue est toujours la même. Donc je m'évade dans mes peintures. J'aime la nature, j'aime la neige où je mets plein de couleurs. Voilà. Et je profite du moment, ma peinture et avec de la musique. J'aime la musique classique, donc je peins toujours en musique. Voilà. Ça, c'est votre méthode de travail. Votre méthode de travail. C'est la méthode de travail. Ma méthode de travail. Oui, la musique. Ça. La musique m'accompagne. J'ai commencé à essayer un peu par l'aquarelle. Et puis l'aquarelle ne m'a pas trop suffi, alors j'ai touché à la peinture à l'huile. Mais la peinture à l'huile, les odeurs me gênent et pour plein de raisons, j'ai été obligée d'utiliser la peinture acrylique. Mais je regrette de ne pas pouvoir faire plus d'huile parce que c'est vraiment la texture qui me plaît. L'onctuosité et puis les rendus du travail sont différents. Mais par contre, voilà, c'est un moment d'évasion. La peinture, c'est un moment d'évasion avec... j'ai juste besoin d'un peu de temps pour pouvoir m'y consacrer et puis je suis un peu débordée comme toutes les retraitées. Voilà. Vous avez 5 tableaux dans cette... Vous avez exposé 5 tableaux. Aujourd'hui, j'ai participé à une exposition sur les petits formats avec Mus 45 qui fait beaucoup pour la peinture à Villeneuve-Saint-Georges. J'ai proposé 5 petits tableaux. J'ai participé à plusieurs expos aussi. Des expos nationales au Mans, à Nevers aussi. Les amis de Chabrol dans le Cher où j'ai eu un prix et puis voilà, aujourd'hui je présente 5 tableaux, des fleurs, la nature, un peu sur l'écologie et des tableaux. Un tableau aussi qui représente un peu la neige, ce que j'aime le plus. Ouais. La neige, tableau-là. Le givre sur le matin, voilà, avec un peu enneigé, la brume du matin, les vapeurs de la brume, avec plein de couleurs pour rêver. D'accord. Et en haut? En haut, vous avez un thème sur l'écologie, les trognes, arbres que nos anciens coupaient les branches pour faire du bois de chauffage, mais garder le tronc pour que l'arbre se régénère et puis qu'on puisse recouper les branches un peu plus tard. Sauf que la vie moderne fait que les gens sont un peu moins délicats et oublient des objets insolite dans les haies. Ouais. Des bidons, de poubelles, c'est ça? Poubelles, des bidons, des bidons, ouais. Des contenants certainement toxiques qui sont abandonnés là où il faudrait les recycler. D'accord. Votre nom, c'est... Chantal Lucas. Chantal
Lucas. Vous avez un dernier message à émettre, à formuler? Un message? Eh bien, tous les artistes, quelle que soit leur occupation, il faut se faire plaisir. Et puis, il faut en faire profiter autrui. Merci, Chantal. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.